Voilà, c'est le grand départ. Il est 6h moins les quarts. Du coup, je viens de me lever, enfin, je viens de me réveiller un quart d'heure. Donc ben là, on va partir. Hein. Voilà, je remercie ma grand-mère qui m'a coupé un petit peu les cheveux. Parce que j'en avais pas mal. Voilà, là c'est. Je suis pas trop dormi. Disons que j'ai dû m'endormir vers minuit et demi. Et puis je me suis réveillé vers 5h moins 20. J'ai pas réussi à m'endormir. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'excitation, c'est tout plein de choses qui sont mélangées. Donc voilà, maintenant mon sac est prêt. Hop, il est là. Je vais m'habiller et puis je vais partir. Voilà, à toutes. Voilà, re. Donc là, j'ai fait donc du stop près de à Marseille, à la gare. J'ai dû attendre, je pense, 20-25 minutes, peut-être une demi-heure maximum. Et il y a quelqu'un qui m'a pris du coup pour aller à Aix. Donc là, je suis à Aix, je suis à l'hôpital d'Aix. Je suis content parce qu'il est pas si tard. Il est 8h moins 10. Voilà, la première fois que je fais du stop, la personne était super sympa, elle s'appelait Assem. Merci beaucoup à lui de m'avoir pris. Puis on a pas mal discuté, c'était vraiment sympathique et enfin, c'est ouf, franchement, c'est super ouf. Je suis hyper excité de continuer l'aventure. Donc là, on va se diriger vers l'entrée de l'autoroute pour aller vers Nice. Bon, je suis un petit peu loin parce que l'hôpital est dans le centre, mais on va y arriver, du coup, on va continuer. C'est parti. Alors, donc je me retrouve sur une aire d'autoroute. Je suis juste après Aix en fait, parce qu'il y a, quelqu'un qui m'a pris pour aller vers Toulon, mais du coup j'allais pas à Toulon, donc ça m'arrangeait pas. Et j'ai vu un carton par terre, je me suis dit bah tiens, je vais le jeter. Et en fait, je me suis dit bah non, finalement je vais pas le jeter, je vais garder quelques morceaux et je vais pouvoir écrire la direction où je vais, parce que ça me semble finalement peut-être un peu plus utile de montrer aux gens où je vais. Donc c'est parti, j'ai heureusement acheté, enfin j'avais déjà un feutre sur moi, donc ça c'est la bonne idée. Et on va pouvoir écrire ici. Alors je vais vers Nice, donc je sais pas si j'écris Italie ou est-ce que j'écris Nice. Je vais marquer, bon je vais voir, peut-être marquer en dessous Italie entre parenthèses. Et puis Nice, Menton, etc. pour aller en Italie. Suite du road trip, je suis dans une station essence italienne. Alors du coup j'ai pu trouver un routier qui m'a amené de quasiment de Aix-en-Provence jusqu'en Italie. Donc ça fait un bon bout de chemin. Bon, il devait aller jusqu'à Turin et à Rome, mais là il fait sa sieste, du coup on va pas non plus en profiter davantage. On va rester là, on va essayer de trouver un autre véhicule. Il est 15h quasiment, donc c'est plutôt correct. Je suis assez satisfait, mais bon, maintenant il va falloir continuer. Et regardez, c'est perdu. On est vraiment perdu dans les montagnes, dans les hauteurs, il y a du brouillard et tout, enfin bref. Donc mon sac à dos, il est toujours là et je pense que je vais aller voir des gens et je vais leur demander si je peux, s'ils vont à Milan, parce que l'objectif c'est Milan. Je pense que c'est possible d'y arriver avant ce soir quand même à Milan. Donc on va faire tout notre possible et puis là-bas il y aura une personne que je devrais rejoindre normalement si tout se passe bien. Du coup je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Ah oui, non, juste le routier qui m'a transporté, c'est un Bulgare. Qui fait, en tout cas là il faisait Espagne-Italie, jusqu'à Rome, il venait d'Espagne, je sais pas où exactement. Bon, dans la voiture c'était un peu folklorique, c'est-à-dire que il parlait pas trop en fait, il regardait plutôt ses vidéos, écoutait de la musique. Donc j'ai pas eu trop l'occasion d'engager des conversations parce que je voyais qu'il avait pas trop envie de parler. Et à un moment il a fait un petit détour et en fait je comprenais pas, il faisait demi-tour, je me disais mais où il va? Du coup je lui fais where do you go? Il me fait comme ça, je fais oh là là, qu'est-ce que c'est que ces embrouilles? Et en fait, après, il me sort ah oui, je vais prendre de l'essence quoi. Je fais ah d'accord, il fait demi-tour pour prendre de l'essence, bon pourquoi pas. Et du coup, voilà, mais sinon, c'était assez fun. Et là, du coup, on va continuer quoi. Hop. Voilà. Du coup, là, je suis sur la route direction Alessandria. C'est Daniele qui m'a gentiment proposé de m'accompagner, enfin je l'accompagne du coup.
Voilà, on se retrouve ici. Je suis resté quand même 1 heure et demie environ à la station-service. Et heureusement, ben, j'ai discuté avec Daniele et on a pu trouver un compromis. Enfin, du moins, ça me rapproche bien de Milan. Donc ça, c'est super bien. Du coup, voilà, ben, on se retrouve après pour la soirée. Il est presque 6 h du soir. Donc il commence un peu à se faire tard. La nuit commence à venir. Voilà, tout à l'heure. Voilà, c'est Arnaud. Je suis quasiment arrivé à Milan. Là, donc Daniele, un homme adorable, m'a laissé ici. Du coup, il m'a vraiment rapproché. Donc, je suis allé juste après Alessandria. Et du coup, je suis là sur la route. Et maintenant, on va aller direction Milan. Je pense qu'il doit y avoir. Ah, bah, il y a 70 km. Voilà, je le vois d'ici. Du coup, je vais me mettre un peu à l'intersection qui est là. Et on va voir si des gens me prennent assez rapidement. Il fait nuit comme vous le voyez, du coup ça va être un peu plus compliqué. Mais en tout cas j'ai pas mal galéré, je vous raconterai un petit peu plus tard tout ce qui s'est passé. Mais franchement c'est une aventure vraiment extraordinaire. Bref, à plus tard. Yo, c'est Arnaud et écoutez, vous voyez, on se retrouve quelque part. Alors c'est assez fou. Tout à l'heure quand je faisais du stop du coup pour aller vers Milan, j'ai un petit peu attendu, mais pas longtemps, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure je dirais. Et là en fait il y a une voiture qui est arrivée et avec un monsieur et puis son fils visiblement. Et ils me disent « Tu es français ?» Je fais « Oui ». Je dis « Bah écoute, pour aller vers Milan, ici c'est compliqué et tout, est-ce que tu veux qu'on t'emmène on t'emmène vers chez nous et tout ?» Du coup j'ai fait « Ben ouais, pourquoi pas ?» Et en fait, du coup, ils m'ont hébergé et j'ai même passé le repas du soir avec eux. Donc là, je suis dans la chambre. J'essaierai de vous les montrer en photo parce que je pense que je prendrai une photo. Du coup, j'en profite pour recharger mes batteries. C'est des gens hyper sympas. Je suis à Vercelli, donc qui est une ville entre vraiment, on va dire, Milan et Turin. Et donc là, voilà, je suis dans la chambre. Je suis mort. Il est 11h, 11h15, 11h20. Je suis KO, je vais aller dormir, au moins demain je pourrai un petit peu me reposer. Et c'est ainsi que s'achèvera donc cette première journée qui aura été énorme. Parce que en fait, bon, tout ce que vous n'avez pas vu, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai un peu galéré, surtout à la station service où j'ai attendu quand même une heure et demie au même endroit. Je suis même allé parler à des policiers pour savoir si ils pouvaient m'amener. Enfin bref, c'était un peu la galère. Mais je m'en suis sorti, même à la fin quand il faisait nuit. Je suis tombé sur ces gens adorables, donc du coup c'est un couple en fait. La femme est bretonne et le mari est italien, du coup ça donne ils ont deux enfants qui sont bilingues, qui parlent hyper bien français et italien. Enfin bref, franchement c'est du pur bonheur. Donc demain je sais pas trop ce que je ferai, vu qu'il fait pas très beau, donc c'est à voir. Bon, en tout cas, c'était une super première journée. Et j'ai hâte de faire la suite. Franchement, c'est énorme. Bref, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Galius.